Aujourd'hui, c'est la fête des mères et nous les célébrons. Il y a quelques minutes, j'ai été au téléphone avec ma mère et elle m'a quand même dit des choses assez fortes. Voyez-vous, dans la vie, personne ne pourra vous aimer comme votre mère. Parce que même lorsque vous vous retrouvez dans le pire moment de votre vie, elle sera toujours là. Et moi, dans mon cas, maman, je tiens à te dire merci ce matin. Pour l'année dernière, tu sais, quand j'ai été arrêté par la police, quand j'ai été gardé à vue pendant une semaine, quand j'ai été présenté au procureur de la République de mon pays, ma maman dormait presque devant le commissariat où j'étais gardé à vue. Il pleuvait, elle restait assise sous la pluie et pleurait à chaudes larmes. Et de la cellule, je l'entendais pleurer. Et cet état de choses m'a vraiment bouleversé, m'a vraiment touché. Et aujourd'hui, je tiens à te dire solennellement, maman, que je t'aime de tout mon cœur et je ferai tout pour te rendre fière. Tu connais ma discrétion, je n'ai pas envie de t'afficher sur les réseaux. On s'est appelé, on s'est dit le nécessaire. Mais je le dis par ici pour attirer l'attention des plus jeunes. De ne pas ignorer les mères. Si vous avez encore votre maman vivante, honorez-la, magnifiez-la. Car lorsqu'on la perd, on perd son repère. Maman, je t'aime. Bonne fête à toutes les mamans du monde entier et en particulier aux mères togolaises où je séjourne en ce moment. On est ensemble.